suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre! Assassiné pendant le match de cricket. Débordé, Potter? C'est notre forme de Sibérie. Le colonel était sur quelle affaire? Docteur Snips, un savant un peu cinglé. Ça fait 26 ans qu'il passe son temps à fabriquer une super fusée pour détruire Londres. Où ça? C'est justement ce que le colonel s'apprêtait à découvrir. Excusez-moi. Ridicule. Oui? Alors je commence où? Vous devez aller chez Magnum, c'est un magasin de disques. Le chef vous parlera là-bas. Vous souriez un peu, mon grand. Je ne trouve vraiment pas ça très sportif. Ce n'était pas du bon cricket. Gardez la monnaie. Votre mission, découvrir et détruire la fusée du professeur Snips.
Je ne peux guère vous apporter d'aide. Nos ennemis sont toujours en avance d'un pas sur nous. Merci infiniment. Pardon. On revient. Déguisement standard, prenez la piste là où s'est arrêté le colonel. Comme d'habitude, monsieur. Merci, Doris. La même chose, monsieur? Non, merci. Un seul comme ça me suffit. Un petit cognac. Whisky, vodka, prune. Tia Maria, brandy, rhum. Malade. Béni.
salle de boxe de Barney, premier rang, PS. Qui voudrait être un poisson rouge? Est allé jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Mais Frank Carter a une nouvelle fois réussi à s'imposer. Il est toujours invaincu à ce jour. Et maintenant, nous allons enchaîner avec le grand combat que vous attendez tous impatiemment. En effet, j'ai le grand plaisir de vous présenter pour la première fois dans notre pays, accusant 130 kilos sur la bascule, le fantastique Carlo Garminski di Letran. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir son courageux adversaire qui a accepté de faire 3 rounds contre le tueur. Un homme très mystérieux assis au premier rang, Monsieur X. Beau combat. On ne triche pas, on ne mord pas l'oreille, on évite de taper trop bas, je veux pas d'accrochage, d'accord? Bon, que le meilleur gagne est maintenant dans vos coins. Allez, on y va. Allez, du combat, c'est parlé. Premier round. Allons-y. Alors, frère. Hey, attention, doucement, faut pas me défigurer, vous êtes malade. Vous avez intérêt à taper au ventre. Hé hey. Break. Va aller dans le tunnel de l'amour. Quoi? Le tunnel de l'amour. Va tout voir. Oh. Oh. Qui vous a donné le message? La dame. Qui est-ce? Je ne sais pas. Et qui est-ce? Je viens de vous dire que je ne savais pas. Le tunnel de l'amour. Ne vous retournez pas. Ne vous inquiétez pas. Le tunnel de l'amour va être très agréable parce que je commence à vous aimer. À ma façon. Toute ma vie, j'ai cherché un adversaire valable. Vous avez franchi la première épreuve brillamment. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Arrivederci.
tire le col. Pardon. Je te mets le nez dans le dos si tu veux. Je peux le faire plonger la tête la première. Et on te ramassera la petite cuillère. Et je jetterai le tout dans le caniveau. Je suis contente que vous soyez venue. Voilà notre petit nid d'amour. Vous ne devez pas voir mon visage, mais vous pouvez connaître mon nom. On m'appelle la mort. Surtout, il n'a pas très envie de jouer à cache-cache. Vous avez l'instinct de survie, et moi, la passion de tuer.
Nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais je crains que tout doive s'arrêter ici. Vos réflexes ne pourront pas vous sauver. La mort surviendra brutalement, soudainement, quand la chance vous abandonnera. Venez. Venez à l'intérieur. Est-ce que vos mains tremblent? C'est l'amour, mon chéri. Mon père était un grand homme, mais la guerre a pris fin avant que son génie ne soit reconnu. Vous avez dû aimer les balançoires étant petit. Attendez, je vais vous aider. Avouez que la situation ne manque pas de piquant. À propos, les pointes sont électrifiées. J'aurais pensé à ça. Vous êtes l'amant le plus intéressant que j'ai pu connaître. Ah, ça, c'était dangereux et mal élevé. J'aurais pu ne pas avoir la possibilité de vous dire que le sol était miné. J'allais oublier. Toutes les charges doivent exploser dans 90 secondes. Vous avez évité le boucher et le boulanger. Nous allons enchaîner avec le fabricant de bougies. Mais il ne fabrique pas de bougies ordinaires. C'est une de mes inventions. Elles contiennent un dérivé de cyanure mélangé à la cire. Quand la cire se consume, elle dégage un gaz qui contient du cyanure. Vous voyez ce qui vous attend? Ne faites pas attention au bruit. Oh, un dernier conseil. Si la flamme s'éteint, la bougie explose. C'est un des petits tours que je vous réservais. Vous avez prévenu que votre chance allait tourner. Cette fois, je vous tiens. Je suis contente que ça finisse comme ça. J'ai horreur de ces adieux trop brefs, pas vous? J'ai remarqué que les souris cèdent aussi à la panique quand elles sentent qu'elles vont mourir.
autrefois, dans les villages, quand un grand homme mourait, on sonnait le glas. Je trouve que c'était charmant comme coutume. Je viens de constater une évidence. Je ne veux plus vous tuer. Vous êtes le meilleur. Si je vous tue, qu'est-ce qu'il me restera? La vie va devenir lugubre. Venez donc nous rejoindre, mon père et moi. Nous pourrions mener une vie grandiose tous ensemble. Et pour moi, vous représenteriez un défi constant. Venez me retrouver dans le clocher. Qu'est-ce que vous en dites? Ne soyez pas bêtement orgueilleux. Thank you.
Parce que certains n'aiment pas ça et sont capables de tout. La 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 la. D'avoir tué cet homme. Oh, papa, qui m'a tout appris? Tu sais que tu es le bonheur de mon cœur. Dommage que ta pauvre mère ne puisse pas te voir. Oh. Cette bonne Joséphine. Raconte-moi sa dernière charge de cavalerie. Pas maintenant, mon enfant. Nous avons du travail devant nous. Un pas en avant. C'est très bien. Ils sont vraiment très bons. Dans une heure, la ville de Londres ne sera plus qu'un tas de ruines. Bien entendu, il n'y aura plus de Trafalgar Square. On l'appellera Napoléon Square. Et bien sûr, la colonne Nelson devra s'appeler dorénavant colonne Napoléon. Et ensuite, ma gentille petite fille s'emparera de Piccadilly. Oh. Et vous, mes braves, les braves, vous aurez droit à la banlieue Est. Bande de gros porcs ingrats. Et ensuite, nous pourrons nous attaquer aux régions. Est-ce que l'Écossais est là? Présent. Tu aimes le football? Oh, ça depuis toujours, j'adore ça. Ça te plairait, le stade de Wembley? Oh, ça me ferait très plaisir. Il est à toi. Le Gallois, il est là? Présent. C'est un grand jour pour les minorités. Merci, mon brave grognard. Et l'Irlandais? Il vient de descendre à l'armurerie, il revient tout de suite. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à l'armurerie? Est désormais commencé.
Bien sûr, ma chérie, bien sûr, bien sûr. Donc, comme je le disais, le compte à rebours est maintenant commencé. Dans quelques minutes, nous allons embarquer sur le ferry et contrôler la phase finale de l'opération depuis la mer. O'Rourke, lui, a... Où est encore passé O'Rourke? Retrouvez-le tout de suite, alors dépêchez-vous! Et pas de bousculade! Quel manque d'organisation. Ils vont me refaire le coup de Waterloo. Oh, papa! Ouais, par là. Et t'aurais pas vu O'Rourke? Non. Pourtant, il a dû passer par ici. Peut-être, mais je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucune idée! Attendez, excusez-moi une minute. Ne tirera pas dans le mauvais sens, mon chéri. Une bonne corde d'alpinisme, elle retiendrait un éléphant. Il faut que je m'en souvienne la prochaine fois que j'irai faire de l'alpinisme. Je crains qu'il n'y ait jamais de prochaine fois pour vous, mon chéri. Je vais vous offrir la mort la plus originale de l'histoire. Vous allez voler sur une fusée. Oh, la fusée, effectivement, où est-elle? Elle est ici. Ici. Tout autour de nous. Tout autour de nous. C'est le phare lui-même qui est la fusée. Oui. Vous avez deviné? Ça, alors. Vous n'êtes pas le duc de Wellington, par hasard? Eh bien, je suppose que vous êtes surpris de me voir. Vous ne trouvez pas ça intelligent? Avouez que je suis extraordinaire. Cinglé, oui. Et nous sommes dans l'ogive. Vous comprenez? Quand la fusée atteindra Londres, vous serez le premier au courant. Vous ne trouvez pas ça excitant? Explosant plutôt. Il est temps maintenant de monter sur le bateau. Le plan de vol est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre le feu au phare quand nous serons au large. Ouais. Bon viaggio, mon chéri. Pensez à moi, touchant le sol. Ah, doucement, doucement. Ce sont les papiers de l'empereur, ne l'oublie pas. Avant la mise à feu. Il faut que j'aie mes papiers, voyons, ils sont importants pour l'histoire. C'est... Thank you.
je t'ai toujours appris à rester calme et méthodique. J'ai complètement oublié de fermer le gaz. Oh, papa! Oh! Il faut l'arrêter. Pas avec ça, voyons. Voilà, oui, c'est vrai, avec ça. Voilà comment j'ai sauvé Londres du vieux savant détraqué. Oh, continuez, continuez. Oh, non, non, terminé pour ce soir. Il faut aller dormir. Dépêchons, dépêchons. Oh. Il est déjà très tard. Tu veux bien venir demain, s'il te plaît? Oui, on verra. On verra. Oh, oui, s'il vous plaît, demain. Oh, venez nous raconter des histoires. Oh, oui, encore, s'il vous plaît, monsieur. Oh, oui, encore demain. Il faut dormir. Je viendrai demain. Je ne crois pas avoir d'autres rendez-vous importants avant plusieurs jours. Il baissera peut-être sa garde avec les enfants. Il pourrait nous révéler quelque chose. Oh, je crois que ça mérite d'essayer numéro 2. Il n'a rien révélé. S'est contenté de leur raconter un conte de fées. Ce type-là ne baisserait pas sa garde, même devant sa grand-mère. Bonne nuit, les enfants. Où que vous soyez.